L'Égypte antique cache encore beaucoup de mystères. Grâce à une nouvelle reconstruction scientifique, le vrai visage de Pharaon a enfin été dévoilé pour la première fois depuis 3200 ans. C'est la chose la plus choquante de l'année. Quand vous verrez son visage, vous ne le croirez pas. À qui ressemble Pharaon ? Voici comment la technologie 3D de 2023 a confirmé ce que Allah a déclaré des siècles auparavant. Assalamu alaikum mes frères et sœurs, bienvenue dans ce nouvel épisode du quotidien musulman. Lorsque la momie de Pharaon a été découverte pour la première fois en 1898 dans la mer Rouge, le monde a été choqué. Des scientifiques et divers logiciels informatiques ont utilisé le visage de cette momie pour reconstituer son visage et voir à quoi il ressemble. Mais à chaque fois, les visages ne correspondaient pas car ils étaient trop différents. Et pour la toute première fois, des scientifiques de Paris et d'Égypte ont collaboré pour construire scientifiquement le visage de Pharaon. Ils ont utilisé un scanner du crâne de la momie pour y ajouter des muscles, de la peau et de la graisse. Ils ont utilisé un modèle 3D de son crâne pour reconstruire ses traits, de la même manière qu'ils le font pour les autres humains. Ils ont pris son visage 50 ans avant sa mort et ils ont inversé le processus de vieillissement. On peut voir comment son visage a changé depuis qu'il était au pouvoir jusqu'à sa mort. Les scientifiques et les historiens disent que ce modèle est un visage typique des pharaons. Tous les hommes de cette famille royale avaient des mâchoires fortes et de grands nez. Mais qui nous dit que ce pharaon est le même mentionné dans le Coran ? Après l'avoir fait noyer dans l'eau de la mer, Allah avait promis de faire de cette personne un signe pour les générations futures. C'est pour ça qu'il a voulu préserver son corps. Mais pas seulement son corps, ses os, sa chair, mais aussi son visage. Il a dit dans le Coran, sourate 10, verset 92, « Nous allons aujourd'hui épargner ton corps, afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. » Cependant, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes d'avertissement. Le pharaon mentionné dans le Coran était un homme incroyablement riche, si riche que les historiens et les chercheurs ont comparé sa richesse à la monnaie actuelle. Et pour eux, personne n'a jamais possédé autant que lui seul. Il était le roi de l'un des plus grands royaumes de l'époque. C'était un personnage important du Coran, parce que son nom est cité 67 fois à travers différentes sourates. Il s'était distingué des autres pharaons par sa puissance et sa cruauté. Le Coran parle de lui comme étant un roi impitoyable. Il se considérait comme Dieu et exigeait que tout le monde lui obéisse. À l'époque, il avait pris pour esclaves les Bani Israël en les empêchant de vivre comme les autres Égyptiens. Un dirigeant aussi tyrannique ne pouvait pas se soumettre à un Dieu unique. Il se voyait trop grand pour ça. Du coup, Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait payer cher son arrogance et sa désobéissance. Ce que vient nous rappeler cette découverte scientifique, c'est que le Coran est véritablement la parole de Dieu. Il a bel et bien tenu sa promesse de préserver le corps de Pharaon, pour qu'on puisse voir aujourd'hui son vrai visage. Et que sont devenus sa fierté, ses trésors et son beau visage? Allah lui a ôté la vie, a détruit son royaume et son armée. Il ne lui a même pas laissé l'espace d'une petite tombe où il pourrait reposer en paix. Et Allah reste toujours le plus savant. Et vous, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de son vrai visage? Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Que la paix soit sur vous et vos familles. Wassalamu alaikum.